Hey, mais c'est ma chambre, Pénélope! Non, c'est ma chambre, le gars au pur pour arriver avant! Non, c'est ma chambre, petite pute! Aïe! Oh, pardon, oh. Chérie! Tu seras parfaite dehors, et le froid, ça conserve. C'est pas parce que tu es ma cousine que ça va changer quoi que ce soit, chérie. Nom d'une pute. Mais qu'est-ce que tu fais, Pénélope? Un masque pour mon joli visage, chérie! C'est mon masque, petite pute! Et toi, c'est quoi que tu en viens? C'est mes talons! C'est mon masque aussi, chérie! Laisse-moi mes talons! Docteur, viens ici, petite pute! Espèce de pute de cousine! Je n'ai vraiment plus d'elle. Merde, en fait, c'était pas moi. Allô? Oui, chérie. Viens tout de suite, Organe n'est pas là. Bon, il faut que je retrouve cette petite pute de stagiaire. Organe! Tu oses coucher avec cette petite pute de stagiaire et dans mon lit en plus, Bernard! Dégage-toi! Toi, je vais te tuer! Bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire de toi, petite pute? Hein? T'es cousine! Tu m'as trahi! Oh, les gars, ils sont en train de détruire tout le bâtiment de ton agence d'influence! Et la police arrive! Je sais, chérie, je vois tout sur la caméra! Cette petite pute de Booba m'a balancé! Je suis dans la merde jusqu'au cul! Maintenant, à cause de lui, je suis recherché pour détournement de fonds et homicide volontaire! Tout ce que j'ai bâti à la sueur de ma chatte! Envolé! C'est pas à la sueur du front, normalement? J'ai pris 3 kilos! Ya, mais c'est quoi ça? Ça, c'est mon mari, ma petite pute de stagiaire et cette petite traîtresse de Pénélope qui est parfaite comme ça quand elle se la ferme! Voilà, je l'ai eu ma vengeance! Mais regarde autour de toi, Olga, la police arrive, tu es encerclée de partout! Caroline, tu es mon amie la plus fidèle! C'est pour ça que je vais te demander un dernier service! Lequel? Tu vas devoir m'éliminer. Non, Olga, je t'aime, moi! What? Mais je suis pas lesbienne, chérie! Et comme je t'ai dit un jour, j'ai toujours une balle dans mon revolver. Tiens! Nein, Olga! Chérie, je ne veux pas passer ma vie en prison et le orange ne me va pas. Alors allez, je veux pas ressembler à une grosse citrouille. Vas-y! On ne t'oubliera jamais. Je sais, ma cocopiote. Je serai toujours là. Dans ton cœur. Vas-y! Oh. Oh. Protège ma mère et ma sœur. Oh. Et ses enfants et son mari. Et il va chez le coiffeur. Tu as vraiment une tête de poney comme ça. Oh. J'arrive pas à peur que le gars soit mort. Moi non plus. J'aurais tellement aimé lui dire pourquoi je l'avais abandonné à la naissance. Mais bon, dans abandon, il y a don. Tu l'avais abandonné parce qu'elle chialait trop. Elle me cassait les oreilles. Je culpabilise aujourd'hui. Mais non, maman, faut pas. Tu vas pas porter ta croix toute ta vie. Mais elle était si gentille, si douce et si belle. Salut les chéris. Je vous ai manqué. Oh, ma fille, tu es en vie. Oh, Olga. Oh là là, stop, chérie. Ah oui, les enfants. Oui, chérie, ça me donne de l'urticaire. Tiens, Caroline, le million de dollars que je t'ai promis. Oh, oh. Oh shit. Ça va, chérie? Mais t'es pas censée être morte? C'était un coup monté, chérie. J'ai mis en scène maman. Comment? C'était des balles à blanc, chérie. Mais c'est des billets de Monopoly. Mais chérie, tu croyais quoi? J'étais recherchée pour homicide volontaire et détournement de fonds. Je suis déclarée morte à l'heure actuelle. Il ne me reste plus rien. Mais tu nous as nous. Yeah. Ouais. Mais dis-moi, en 4 ans, pourquoi ils n'ont pas grandi, tes bébés? Ils ont un problème de croissance. Il n'y a que les cheveux qui poussent. Oh, j'ai envie de leur offrir un gin tonic. Ils ont l'âge de boire? Non. Oh, ça sert vraiment à rien, les bébés. Et on va vivre de quoi? D'amour et de noix de coco, chérie. Quoi? J'ai acheté une île déserte avant de crever. Et j'ai détourné 90 milliards de dollars que j'ai placés sur un compte secret pour qu'on soit à l'aise. Donc t'inquiète pas, Caroline, tu vas l'avoir ton million de dollars. Allez, les chéris, on décolle, va pas broder. See you soon.